bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Kezako. Aujourd'hui, on abordera les mathématiques financières. Qu'est-ce que c'est les mathématiques financières ? Les mathématiques financières sont une branche des mathématiques appliquées, ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée. Exemple, emprunt et placement, investissement et notamment les marchés financiers. Les mathématiques financières font jouer le facteur temps et utilisent principalement des outils issus de l'actualisation, de la théorie des probabilités, des statistiques et du calcul différentiel. Passons maintenant à l'historique. Mais qui en est l'inventeur ? Lui, Bachelier, est considéré comme le fondateur des mathématiques financières appliquées au marché grâce à sa thèse intitulée « Théorie de la spéculation en 1900 ». Cette vidéo est une introduction aux mathématiques financières. Nous aborderons dans le prochain épisode les intérêts simples, méthodes et modes de calcul. L'équipe Kezako vous remercie pour votre attention. À la prochaine pour un nouvel épisode avec Kezako.